in quality and food safety management with more than 20 years of experience. She is the regional quality and food safety expert for IFC and also a member of the GFSI Global Market Committee. Okay, as a quality and food safety consultant, trainer, and lead auditor, she has carried out several certifications which has resulted in certification under standards such as ESO 9001, HACCP, ESO 22000, FSSC 22000, and BRC. So this forum has become necessary for us to host following the outbreak of coronavirus, and we are asking ourselves, how can we enhance food safety in the face of this pandemic, and more especially in our processing factories? So without wasting much time, I would like to invite Sanata Bete to take us through what she has prepared for us. And I would also want to let you know that Sanata is a consultant with ACA and she's worked with us over several years. And please, let's enjoy this session and thank you very much for joining us again. Sanata Bete, please, the board is in your court now. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce premier e-forum organisé par... Can we all hear Ms. Sanata Bete? Can we all hear her speak? Yes, I can hear you. Okay. Maybe Sanata Bete, you want to show your screen for your presentation so that they can follow. Okay, while she prepares to share her screen, I'm going to repeat myself earlier. Identifié comme sérieux. Et plus bas, on va vous donner le pays d'origine et le pays qui a, bien entendu, identifié, y compris également les pays dans lesquels le produit a dû être exporté lorsque le produit est malheureusement passé par les frontières. Alors ici, c'est un cas d'origine d'un pays de l'Afrique. Si vous cliquez là sur la partie détail, cette alerte. On va vous donner toutes les substances qui ont été trouvées. Également les pays dans lesquels le produit a dû pu être parti afin qu'il puisse être appelé. Très bien, à ce niveau, les frontières sont toujours fermées. Vous ne pouvez pas se dire que comme il y a peut-être pénurie, il y a des difficultés d'acheminement, le marché va peut-être s'estomper un peu, il y aura de moins en moins de possibilités d'échange, donc le peu de produits qui sera sur le marché sera accepté. Il est accepté, mais lorsque le produit n'est pas conforme, il ne peut pas passer les frontières. Les standards dont j'ai parlé tout à l'heure, FSSC 22000, SQF, IFS, BRC, HACCP, ACACI, ISO 22000, pour citer ceux qui sont internationalement reconnus et ceux qui sont appliqués sur le plan local, tous ces standards prennent tous en compte la gestion par anticipation. Les situations d'urgence doivent être gérées par anticipation. Alors, je ne sais pas si tout le monde a ce bruit de fond. Alors, la gestion par anticipation, c'est ce qui est préconisé par les normes. Quelle est cette gestion par anticipation préconisée? Pour avoir une identification d'une équipe de crise, l'équipe de crise doit être identifiée. Donc, quand je dis crise, c'est vraiment de l'anticipation. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on va prévoir quel est le mode de réaction que nous aurons lorsque on aura une situation de crise. Comment est-ce qu'on va réagir?
l'assignation des rôles et responsabilités au niveau de cette équipe de crise, la disponibilité de différents contacts en interne, également en externe, l'identification des différents scénarios de crise et actions face à chaque scénario. Pour le cas de figure qui se présente à nous aujourd'hui, donc depuis l'avènement de la COVID-19, des actions devraient avoir été prises. Le scénario d'arrêt de travail, de pénurie de main-d'œuvre, de pénurie d'activité de transport, ces cas de figure devraient avoir été pris en compte. Donc, on attend par situation d'urgence toute situation qui peut amener à une crise, genre catastrophe naturelle, interruption des services essentiels à la survie de l'entreprise, tout ce qui est eau, énergie, transport, accidents environnementaux, urgence de santé publique, et c'est vraiment dans ça que nous sommes actuellement, et éventuellement des attaques terroristes qui peuvent arriver. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de tourner en rond? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'évoluer? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de continuer à travailler comme on l'a toujours fait? Et au cas où ça arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, il est clair que personne n'a prévu qu'on ait une situation de COVID qui empêche le monde entier de tourner en rond. C'est quand même une situation inédite. Mais les entreprises qui ont beaucoup plus tôt pensé à leur gestion des risques vont se retrouver au moins en train de gérer les effets de cette pandémie. Les effets, c'est l'absence de travailleurs chez vous. Les effets, c'est la difficulté d'approvisionnement. Les effets, c'est éventuellement la difficulté de faire d'avoir de la main-d'œuvre ou avoir des services dont vous aviez besoin et qui, du coup, ne sont plus disponibles ou difficilement accessibles. Normalement, la gestion de crise par anticipation prévoit tout ça et au moins vous pouvez dérouler les prévisions que vous aviez déjà eues. Alors, comment gérer la sécurité sanitaire des aliments pendant cette période? Donc, cette première partie, on a quand même fixé le besoin de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, quelque chose d'indispensable. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je le disais tantôt, il faut tout simplement dérouler son plan de gestion des situations d'urgence et il faut faire particulièrement attention au point suivant. Donc, ceux qui sont dans des entreprises déjà certifiées savent les plans d'urgence à mettre en place, mais ceux qui ne sont pas dans des entreprises déjà certifiées, il y a quand même un minimum de choses auxquelles vous devez faire attention. Donc, la première chose concerne la responsabilité de la direction. En tant que manager, vous êtes responsable de par votre leadership et la constance dans le besoin de livrer des produits conformes. C'est votre responsabilité de faire en sorte que tout ce que vous mettez sur le marché, tout ce que vous, pour lequel vous donnez la validation ou le go-ahead pour être vendu, doit être conforme. C'est votre responsabilité. Il faut donc mettre en place une équipe pour la gestion des dispositions dues à la pandémie. Dans tous les pays, les gouvernements donnent des instructions. Il faut au minimum suivre ces différentes instructions. Il faut en plus initier des réunions quotidiennes pour la gestion de la pandémie. Les personnes ont besoin de comprendre, les personnes ont besoin d'être informées, d'être éduquées, d'être sensibilisées. Il faut le faire. Il faut donc maintenir une communication permanente avec les employés afin de les tenir informés des mises à jour et des feedbacks par rapport à ces réunions journalières auxquelles, bien sûr, tout le monde ne peut pas participer. Le suivi du plan de maîtrise sanitaire HACCP. Alors, encore une fois, il y a peut-être des entreprises qui ont déjà mis en place HACCP, même si elles ne sont pas encore certifiées. Le HACCP, il sert à démontrer que nous travaillons dans des conditions correctes et nous sommes capables de livrer des produits conformes sur le plan sanitaire. Je dis bien
exclusivement sur le plan sanitaire. J'ai déjà échangé avec pas mal d'industriels dans tout secteur confondu. C'est pas uniquement dans le secteur des noix de cajou, des amandes de cajou. Quand on leur parle de HACCP et d'anticipation et de procédures et d'études de quelque façon que ce soit, la réponse est « Ah oui, mais on a sorti nos premiers produits, ils sont très jolis, ils sont appréciés, le goût il est bon, les grades sont respectés et les clients sont vraiment contents. » Oui, ça c'est la finalité bien entendu. Cette situation est comparable à toute situation dans nos maisons, dans nos domiciles ou même dans notre vie quotidienne. Vous arrivez dans un restaurant dans lequel vous aimez manger. Tous les jours, quand vous avez envie de prendre un bon repas, c'est votre restaurant préféré. Lorsque vous recevez des amis, c'est votre restaurant préféré, c'est là-bas que vous les envoyez. Lorsque vous avez des invités ou que vous avez des partenaires qui viennent vous voir, ah, on y va, c'est notre restaurant préféré. Jusqu'à ce qu'un jour, par inadvertance, vous arriviez à jeter un coup d'œil dans la cuisine dans laquelle vos plats sont préparés. Vous voyez l'état de la cuisine, vous voyez l'état des ustensiles, vous voyez l'organisation même de la cuisine, vous voyez les déchets qui traînent partout, vous voyez des poubelles grandes ouvertes et vous voyez les salades et les plats en train d'être préparés juste à côté. Vous voyez des cafards qui courent un peu partout. Vous voyez des souris qui traversent les couloirs. Le repas, il est beau, il est succulent, il est bon. L'espace est convivial, on y mange très bien. Mais je suis sûre qu'après ça, vous allez penser à changer de restaurant. C'est la même chose dans nos maisons. On met un bon repas à table alors que nos cuisines sont mal fichues. Alors, ça va être la même chose dans vos usines. Vos clients, ils ont besoin d'avoir un produit beau, un produit qui a un bon goût et tout ce qui va avec, le visuel et le sens. Mais et surtout, ils ont besoin de se rassurer que le produit est fabriqué dans de bonnes conditions et que vous pouvez de façon durable conserver ces conditions de travail. C'est ça, en fait, le HACCP. Je peux travailler dans des conditions correctes. Je peux livrer à mes clients de façon permanente des produits qui soient conformes. Certes, sur le plan gustatif, sensoriel et tout ce que vous voulez, mais également sur le plan sanitaire. Parce qu'à la fin, on mange pour se nourrir. On ne mange pas pour se rendre malade. Voilà. Alors, il faut un suivi strict du plan de maîtrise sanitaire. Le responsable donc, de l'équipe HACCP doit être pleinement impliqué. Alors, j'ai un petit souci. Je ne sais pas si on continue à voir mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on continue à voir mon écran? Oui, ça marche. D'accord, merci. Il faut peut-être le mettre en mode diapo. Oui, je l'avais déconnecté pour. Alors, donc le plan de maîtrise sanitaire, il doit être continuellement suivi. Il faut porter une attention particulière aux éventuelles modifications de process ou du diagramme de flux, parce que si votre production est un peu ralentie, il se peut que vous ayez un peu plus peut-être de temps d'attente. Vous aviez habituellement un flux de process qui est beaucoup plus fluide.
en fonction de la réalité de la COVID-19, vous avez de moins en moins de personnes, vous êtes un peu plus ralenti dans l'évolution du flux. Il se peut que des produits soient souvent mis en attente alors que ce n'était pas prévu. Il faut faire attention parce que les mises en attente peuvent provoquer de la prolifération de germes, de la prolifération d'insectes, et ça va endommager votre produit fini. Donc, ça peut entraîner de la détérioration et ça va être perçu comme clairement comme non maîtrisé de la qualité attendue. Il faut aussi avoir un regard sur tout ce qui concerne le suivi des CCP. Donc là, je parle vraiment à des personnes qui ont mis en place le HACCP, qu'ils soient certifiés ou pas. Vous avez obligation de former les personnes sur le suivi des CCP. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez une pénurie de personnel. Alors, vous allez récupérer des personnes pour travailler. Ces personnes n'ont pas été formées et surtout ne savent pas comment suivre les points critiques pour la maîtrise. Alors, attention, même si vous pensez que la tâche qui est en train d'être faite, c'est du bon sens, pour les CCP de façon spéciale, il faut veiller à former les nouvelles recrues. Au niveau des achats, là, je pense que c'est le plus gros risque. C'est le risque de la fraude sur les achats. Pour les intrants, surtout. On est dans le domaine de l'Anacarm. Il y a peut-être, on peut difficilement vous montrer une noix de cajou et prétendre que c'est autre chose, mais dans certains domaines, il y a beaucoup de fraude. Donc, les soucis d'approvisionnement peuvent pousser les fournisseurs à faire de la fraude sur certains intrants. On appelle fraude tout ce qui peut être contrefaçon, tout ce qui peut être dissimulation, substitution, étiquetage erroné, vente sur les marchés noirs, amélioration non approuvée, dire que le produit est quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Donc, ce que vous avez en matière d'approvisionnement, même si ça concerne les emballages, vous pouvez vous retrouver, si vous utilisez par exemple des emballages biodégradables ou des emballages d'une certaine qualité, vous allez vous retrouver dans une situation où il n'y a plus d'approvisionnement. Vous êtes obligé de négocier avec des fournisseurs qui vont prétendre pouvoir vous donner ce que vous cherchez, mais au fait, ils vont vous donner quelque chose qui ne répond pas entièrement, sachant que vous ne pouvez peut-être pas mettre en œuvre les dispositions en matière de vérification avant utilisation. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Pour tout ce qui va être matière intrante dont le prix va commencer à grimper, il faut savoir que la première chose sur laquelle on va faire de la fraude, c'est ce qui est rare, c'est ce qui coûte cher. Donc, plus ça coûte, plus on a tendance à falsifier. Alors, il faudra vraiment faire attention au niveau des achats. La situation actuelle de pandémie ne doit pas vous pousser à acheter n'importe quoi et n'importe comment. Au niveau de la gestion des allergènes, les problèmes de stockage que vous pouvez avoir, peut-être parce que les produits ne sortent pas, peut-être parce que les matières premières sont arrivées et que par souci de production, vous n'avez pas pu tout transformer, vous allez peut-être avoir des problèmes de stockage de matières premières, d'intrants ou de produits finis. Alors, vous allez avoir tendance à stocker sans respecter les dispositions en matière de stockage, en élévation du sol, de la distance entre les différentes palettes et les murs pour pouvoir faire les différentes inspections, ne pas stocker des produits dits allergènes à côté d'autres produits. Les allergènes, tous les produits qui sont déclarés allergènes sont connus et quand vous les manipulez dans votre usine, vous devez faire attention à ne pas qu'il y ait de contamination entre ces différents allergènes ou de contamination croisée ou de contact croisé entre ces allergènes et les produits qui sont supposés ne pas les avoir. Quand je consomme, c'est vrai que les amandes de cajou sont classées allergènes, mais quand je sais que ce sont des amandes de cajou et je décide de les manger, peut-être parce que je ne suis pas allergique à ça. Mais quand je suis allergique aux arachides et que je ne suis pas allergique aux amandes, quand je commence à manger, ouvrir un sachet d'amandes de cajou à consommer, je m'attends à manger des amandes de cajou et non des petits morceaux d'arachide. Il faut également faire attention à tout ça, à ne pas permettre que les conditions de stockage vous engendrent des problèmes de sécurité sanitaire.
vos dispositifs de surveillance. Les dispositifs de surveillance, c'est tous les instruments qui vont vous permettre de prendre une mesure ou de faire une mesure et donner un résultat qui contribue à dire que le produit il est bon ou le produit il n'est pas bon. Ce que j'ai remarqué en visitant de nombreuses usines et surtout dans nos pays, il y a beaucoup de services de vérification qui viennent des pays voisins. Donc, dans nos pays de la sous-région, on n'a pas toujours des services adéquats, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour faire nos vérifications et nos étalonnages. Donc, ces services sont hors frontières. Alors, si on ne peut plus voyager, on ne peut plus traverser les frontières, bien entendu, les services que vous aviez l'habitude de commander à l'extérieur ne seront plus disponibles. Il faut néanmoins que vous puissiez donner l'information exacte sur la mesure exacte parce que ce qui mesure doit être conforme. Tout équipement qui est utilisé pour mesurer doit mesurer juste. Donc, si tel est le cas, vous devez trouver des moyens d'assumer la conformité des produits malgré tout. Au niveau des audits internes, encore une fois, ça, c'est les entreprises qui sont certifiées, elles savent qu'elles ont besoin de faire des audits internes. Toutes les normes exigent les audits internes. Donc, en pareille circonstance, et même quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de pandémie, j'avais déjà remarqué que les audits internes sont difficiles à mener. Certaines entreprises ne font pas correctement les audits internes. Alors, n'abandonnez pas les audits internes. Vous êtes préoccupé par autre chose, vous êtes préoccupé par le lendemain, vous êtes préoccupé par la survie de votre entreprise, mais en regardant demain de quoi je serai fait, il faut que vous puissiez au moins assurer aujourd'hui. Donc, organisez vos audits internes, ne les lâchez pas, bien au contraire, c'est le moment de les renforcer parce que les audits internes vous permettront de voir ce qui ne va pas et vous permettront de pouvoir être rassuré sur l'application effective des mesures de maîtrise que vous avez mises en place. Alors ça, c'était ce qui concerne, en ce qui concerne la gestion de façon générale de l'organisation. En ce qui concerne les bonnes pratiques, il faut penser aux locaux du personnel. Ce sont les toilettes, les vestiaires, la cantine, s'il y a. Elles doivent être organisées de sorte à respecter les mesures barrières identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, de la distanciation, des équipements uniques pour les personnes, des vestiaires, déjà des personnes qui rentrent dans les vestiaires ou dans la cantine à tour de rôle pour pouvoir respecter toutes ces dispositions. Alors, vous devez peut-être reconfigurer, pas casser et reprendre les locaux, mais reconfigurer l'accès aux locaux, l'utilisation des locaux du personnel, de telle sorte que les mesures barrières soient respectées. Et tout ça va ensemble avec l'hygiène du personnel et son état de santé. Donc, vous devez porter une attention particulière sur le nettoyage des vêtements afin de limiter la propagation du virus. Je sais que certaines entreprises ont tendance à nettoyer les vêtements par le personnel à la maison, donc il n'y a pas de surveillance. Également, on peut sous-traiter le nettoyage des vêtements. Il faut vous rassurer que les pressings dans lesquels vous faites laver ces équipements sont organisés pour respecter tout ce qui est censé être mis en œuvre. Il faut penser au lavage, à de la désinfection également des équipements que les ouvriers portent pour travailler. Les dispositifs de nettoyage et désinfection des mains doivent être multipliés afin de garantir un usage régulier. Très souvent, les gens vont avoir se laver les mains de façon régulière, donc il faut avoir beaucoup de points d'eau. Ce n'était peut-être pas le cas au préalable avant la pandémie, mais là, il faut pouvoir multiplier les points de lavage ou de désinfection, mettre à disposition des travailleurs au sein de l'entreprise des dispositifs nécessaires pour pouvoir se nettoyer et se désinfecter les mains de façon régulière afin de ne pas contaminer le produit et également le matériel de travail. Vous devez faire une sensibilisation permanente
sur le besoin d'identifier des signes de maladie afin de prendre rapidement les mesures nécessaires. Donc, c'est la même communication qui est réalisée à travers les médias. Donc, dans votre usine, vous devez également pouvoir observer tant sur les personnes qui travaillent chez vous que sur également les visiteurs et les éventuels sous-traitants qui viennent chez vous. Au niveau de la qualité de l'eau, vous pouvez avoir des situations où, à cause de la pandémie, vous n'avez pas pu travailler régulièrement. Vous n'avez pas pu au niveau du nettoyage et désinfection, les programmes de nettoyage et désinfection doivent être revus. Donc, vous aviez peut-être des programmes de nettoyage et désinfection au préalable. Ces programmes doivent être revus afin d'intégrer les zones ou les points qui peuvent être source de contamination par le virus par le coronavirus. Vous aviez peut-être l'habitude de nettoyer que les sols, peut-être les vitres, peut-être les toilettes, peut-être les équipements. Mais maintenant, il faut regarder tout point qui pourrait éventuellement être contaminé par une personne. Ça peut être les barres qu'on tient quand on monte un escalier. Ça va être les poignées, ça va être les chasses d'eau dans les toilettes, les robinets, parce que très souvent, les robinets sont à manipulation manuelle, même si ces types de robinets ne sont pas recommandés dans l'industrie agroalimentaire, mais il se trouve qu'il y a des entreprises qui continuent de les utiliser. Donc, c'est des points pour lesquels vous allez peut-être augmenter le nombre de nettoyages des infections. Si j'avais l'habitude de les nettoyer une fois par jour quand je prends le poste, il faut maintenant peut-être penser à le nettoyer ou à désinfecter plus d'une fois, deux fois, trois fois, voire plus en fonction de la fréquentation. Une attention particulière doit être accordée au choix des produits de nettoyage et désinfection. Il faut effectivement utiliser des produits qui désinfectent. J'ai déjà vu des situations où on nettoie uniquement avec du détergent et on estime que puisqu'on a nettoyé, oui, il n'y a plus de micro-organismes. Ou alors on utilise des désinfectants à des doses qui ne sont pas recommandées. Si je prends par exemple tout ce qui est chlore, parce que c'est ce qu'on utilise souvent. Les personnes pensent qu'utiliser le chlore pur, ça contribue à mieux désinfecter. Non. Il est actif à un certain pourcentage ou un ppm. Il faut pouvoir respecter les consignes du fabricant. Je vois très souvent également de l'alcool qui est utilisé pour la désinfection, pour la friction des mains. Et les personnes ou les entreprises pensent que plus l'alcool est fort, plus il tuera la bactérie. L'alcool pour la désinfection, s'il est en dehors de la plage 60 à 70%, il ne va pas être efficace. Donc faites attention au choix et également à l'utilisation qui peut être erronée. On en arrive maintenant à la qualité de l'eau et autres intrants. En cas d'arrêt prolongé de la production, il est important d'avoir une attention particulière sur la qualité de l'eau parce que vous avez peut-être à un moment donné arrêté la production où il y a des points d'eau que vous n'utilisez pas souvent. Avec la stagnation, les tuyauteries d'eau peuvent se désintégrer, peuvent se détruire, peuvent se corroder et de l'eau qui a stagné dans cette tuyauterie peut ne pas être conforme à l'utilisation dans l'entreprise. Alors, il faut pouvoir faire des purges quand vous savez que vous avez arrêté pendant quelque temps. Les tuyauteries doivent être purgées avant le démarrage nécessaire des activités. Au niveau de la gestion des nuisibles, donc tout ça, c'est dans le cadre des bonnes pratiques. J'ai déjà vu des entreprises qui ont arrêté et qui ont également arrêté la lutte contre les nuisibles. Sachez que même si votre production elle est arrêtée ou ralentie ou qu'il y a des zones dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller, c'est la porte ouverte à la recrudescence de l'activité des nuisibles.
Il est donc important de se rassurer que la lutte contre les nuisibles est correctement menée. Que vous soyez en production ou pas, tant que vous savez que c'est votre usine, que vous savez que les équipements y sont et qu'un jour vous allez peut-être reprendre ou que dans une ou deux semaines vous allez avoir accès à telle ou telle zone, il faut continuer la lutte contre les nuisibles. Parce que les nuisibles, quand ils s'installent, c'est très difficile de les déloger. Il ne faut donc pas oublier de maintenir toujours votre lutte contre les nuisibles. Et dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au choix des produits et aux dispositifs de lutte contre les nuisibles. Vous êtes dans une entreprise agroalimentaire, il ne vous est pas permis de faire la lutte contre les nuisibles avec n'importe quel produit ou n'importe quel dispositif. La gestion des déchets également doit être revue. Plus vous cumulez des déchets, plus vous aurez la recrudescence de nuisibles et plus vous allez avoir des possibilités de contamination de votre produit. Donc, l'accumulation des déchets constitue un risque important. Il faut penser à les enlever régulièrement. En ce qui concerne la maintenance des équipements, c'est également quelque chose avec lequel vous pouvez avoir des soucis. En cas d'absence de personnes ou réduction considérable de l'effectif, il faut penser à ramener la maintenance préventive au minimum requis pour le fonctionnement, le minimum indispensable. Les équipements dont vous ne pouvez pas vous passer, les pannes que vous ne voulez pas avoir, les dispositifs de surveillance sans lesquels vous ne pouvez pas produire, il faut les identifier. Quitte à réduire ou à réaménager votre plan de votre programme de maintenance des équipements, oui, vous devez maintenir et aller à l'essentiel. Donc, pour identifier qu'est-ce que je vais maintenir, qu'est-ce que je ne vais pas maintenir, oui, c'est la productivité que vous allez regarder, mais également, vous devez donner une considération à tout ce qui peut être d'ordre sanitaire, tout ce qui va déranger la sécurité sanitaire de vos produits. Tout ce qui, en cas de non-maintien ou en cas de non-maîtrise, va apporter des soucis d'ordre sanitaire. Vous devez prendre tout ça en compte. Donc, tout ce qui est gestion qu'on vient de voir, et également tout ce qui est bonne pratique que vous pouvez mettre en place, même si vous n'êtes pas certifié. En ce qui concerne la formation, je sais qu'en pareilles circonstances, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ah, on a besoin de survivre, donc actuellement, on ne va pas s'investir dans la formation. » Oui, une formation, c'est une acquisition de compétences. Ça peut être des sensibilisations, ça peut être du coaching, ça peut être tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas décider de ne plus former ou de ne plus éduquer ou de ne plus sensibiliser votre personnel. L'ignorance et le manque d'attention coûtent cher aux entreprises. Il faut donc continuer à former et à sensibiliser votre personnel. Il y a forcément chez vous des personnes qui savent donner des formations, des personnes qui savent sensibiliser. On ne vous demande pas obligatoirement de faire venir un expert X ou Y de tel ou tel pays. Oui, actuellement, nos experts ne peuvent plus venir, donc on ne peut pas faire de formation. Non, vous avez des petites formations, des petites sensibilisations que vous pouvez organiser au sein de votre entreprise pour pouvoir passer ce cap de COVID-19 en attendant qu'une situation meilleure se présente. Alors, en résumé, une entreprise doit toujours avoir une procédure de gestion des situations d'urgence. C'est ce qui est recommandé. Cette procédure de gestion des situations d'urgence vous permet de gérer vos crises. Et vous allez peut-être remarquer que toutes les entreprises qui étaient déjà certifiées par une quelconque norme et qui avaient déjà mis en place ces procédures de gestion des situations d'urgence savent le protocole à dérouler lorsqu'il y a pénurie de personnes main-d'œuvre, savent le protocole à dérouler lorsqu'il y a pénurie de matières premières, savent le protocole à dérouler lorsqu'il y a impossibilité d'accès même au port ou à la ville parce qu'il y a peut-être des grèves et tout ce que ça peut comporter. Donc, les normes le recommandent, que ce soit les normes internationales ou la réglementation internationale ou américaine, genre FISMA, BRC,
IFS, FSSM 2000 SQF, ou également des normes qui sont pas encore reconnues par le DFSI, mais qui sont des normes de sécurité sanitaire qui sont également à respecter, comme HACCP pur, ACACIL, ISO 22000. Ces normes-là préconisent d'avoir de l'anticipation. Et c'est à ça que vous devez arriver, anticiper sur les actions pour la gestion de votre entreprise, anticiper sur les problèmes qui peuvent vous empêcher de fonctionner comme il faut et surtout pouvoir faire de temps en temps des exercices de situation d'urgence pour voir quelle est votre aptitude à répondre face à une pandémie de ce genre. Oui, il est clair que personne n'a prévu que ce soit à une telle ampleur, mais au minimum, ceux qui avaient déjà des dispositions prises s'en sont mieux sortis que ceux qui n'y ont pas pensé du tout. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer après cette pandémie? Oui, on va s'en sortir. C'est clair. D'une façon ou d'une autre, on va peut-être apprendre à vivre avec, ou alors du jour au lendemain, ça va disparaître comme c'est venu. Dans ce cas, qu'est-ce que ça pourrait changer sur le marché international? Il se peut qu'il y ait une accentuation des normes sur les contrôles environnementaux. Comme je vous disais au départ, je participe au comité technique au niveau du Global Market sur tout ce qui est DFSI. C'est des réflexions qui sont menées. Pour l'instant, il faut sauver ce qu'il y a à sauver. Le DFSI a donné sa position par rapport à toutes tous les certificats en cours actuellement délivrés par des organismes de certification qui certifient sous des référentiels DFSI. La position est donnée. Oui, on va essayer de faire avec. Certains certificats seront suspendus. Certains certificats auront une extension de durée. Mais ceux qui ne sont pas encore certifiés, il peut y avoir des nouvelles dispositions qui vont venir. Il se peut également qu'il y ait renforcement des dispositions normatives par rapport à l'hygiène et la santé des travailleurs. Habituellement, on vous demande de faire les visites médicales des travailleurs, de veiller à l'hygiène des travailleurs en respectant tout ce qui est réglementation nationale. Il se peut que, en dehors de ce qui sera figé sur le plan national, il se peut qu'il y ait aussi des demandes en matière de vérification supplémentaire par rapport à la possibilité de recrudescence d'une quelconque épidémie ou pandémie. Il se peut également qu'il y ait un renforcement des dispositions de gestion des crises parce que cette crise-là nous a donné beaucoup de leçons. On avait peut-être une façon de gérer les crises, des dispositions données pour pouvoir anticiper. Mais maintenant, je pense qu'on pourrait trouver d'autres moyens, on pourrait tirer des leçons de cette pandémie et renforcer les dispositions en matière de gestion des crises. Et surtout, je pense qu'il y aura certainement un accès au marché de plus en plus difficile pour les entreprises qui ne sont pas certifiées, selon un quelconque standard. Il faut inspirer confiance. Il faut qu'on sache qu'est-ce que vous faites réellement chez vous. Si vous parlez de durable, le fournisseur également a besoin le client aussi a besoin de réfléchir durable. Sachez que les normes qui viennent d'être présentées, les exigences du marché, ils resteront toujours exigences du marché. Il y a des entreprises ou des transformateurs qui peuvent dire « Oui, je ne suis pas certifié, je n'ai rien de tout ce que vous demandez, mais je vends quand même. » Oui, vous pouvez vendre, mais sachez que ce que vous vendez est repris partiellement ou entièrement par votre client avant de le mettre sur le marché. Ce client, qui est peut-être un intermédiaire entre vous et le marché final, va prendre sur lui le coût de la mise à niveau, le coût de la réparation. Il va supporter des frais de certification pour lui parce que vous n'êtes pas certifié. Il va supporter des frais de vérification chez lui parce que vous ne pouvez pas démontrer que vous avez un minimum de vérification.
de vérification. Alors, dès que vous allez pouvoir lui démontrer que vous êtes également organisé et que vous avez un minimum de vérification ou que vous êtes certifié, ça lui fait un coût additionnel qu'il n'a plus dans la gestion de son entreprise. Donc, il ne va plus être en train de vérifier tout ce qui vient de chez vous. Et les relations entre vous et le client vont s'améliorer tout simplement parce qu'il se rend compte que votre produit ne constitue pas un risque quelconque pour lui. Donc, tant qu'il y a une pénurie, encore ça va. Mais dès que l'offre commence à grimper, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se soucient des normes, alors tout simplement, les clients vont jeter chez ceux qui peuvent démontrer qu'ils sont conformes au marché de la distribution. Donc, il se peut que certaines choses changent au niveau de toutes ces normes juste après la pandémie. Ben voilà, on attendra de voir réellement ce qui sera validé et comment est-ce que ça sera mis en place. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, pendant... Thank you very much. Questions at the moment. So if anybody has a question, go by raise of hand. Then we'll call you to give your question. Okay, félicitations. Please, can you hear me? Yes. So if anybody has a question, just go by raising your hand and then we'll give you audience. Do you have any question, concern, or you need any clarification? Please ask your question if you have any. Yes, he mentioned about the supply chain, how definitely it will be affected in respect to the kind of how processors handle their product. But in this case, I am from Sierra Leone. I want to know for local processors, what will be the advice from her? Because there are other processors who are not processing to export, they are selling within country. Madame Berthe, est-ce que vous avez reçu la question? Madame Berthe, have you received the question? Oui, en anglais. Madame Berthe, have you received the question? Madame Berthe, please, did you get the question? Est-ce que je peux avoir la question? I am asking to understand. I know she mentioned about how processors should handle their processing to ensure that they minimize the risks of their products getting contaminated. And this is mainly for European countries or for export. What would be your advice for local processors, people who are processing within country and they are selling within country? Alors, si la traduction va suivre son cours, pour ceux qui, alors, ce que j'ai présenté, c'est réellement ceux qui produisent dans n'importe quel pays et qui sont censés exporter. Mais le marché de l'exportation, ceux qui vont consommer vos produits hors de vos frontières, disons ceux qui vont consommer vos produits dans vos frontières, ont les mêmes droits aux produits sains que ceux qui vont consommer les produits à l'extérieur de vos frontières. Pour moi, ces dispositions, elles sont universelles. Elles doivent également être appliquées. Parce que si vous ne respectez pas les dispositions en matière de sécurité sanitaire, vous mettez en danger le consommateur. Donc, que votre consommateur soit à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis ou en Sierra Leone, vous le mettez en danger. Donc, toutes les dispositions prises, veillez également à les prendre en interne. Vous avez
tout ce qu'on a donné en matière de management, vous avez tout ce qu'on a donné en matière de bonnes pratiques, elles sont applicables même en production locale et vente locale. Derrière tout ça, ce qui importe pour vous, c'est la sécurité sanitaire de vos consommateurs. Et c'est votre responsabilité de faire en sorte que ceux qui consomment vos produits ne soient pas en danger sur le plan sanitaire. Hello. Hello, can you hear me? Yes. Sorry, can you hear me? Yes, I can hear you. I have a question. I'm calling from the UK and we are a UK importer. I just wanted to know, I mean, thank you for the presentation. Does the African Cashew Alliance recommend a particular scheme of certification to the processors? Possibly one of the GFSI certified schemes? Would you recommend one in particular to the Alliance, or would you recommend that they go for a general? I know you've mentioned the GFSI and the HACCP already, but it'll be great if they can work to a particular scheme, preferably the GFSI, the BRC or equivalent, so that you can have some sort of uniform acceptance when it comes to European and other Western countries. OK, merci pour votre question. Au niveau de l'Afrique, vous avez l'alliance qui nous reçoit aujourd'hui, c'est l'ACA. Il y a des normes locales, disons africaines. Le ACASIL, c'est une norme africaine de certification. On n'a pas encore au niveau de la région une imposition nationale ou régionale d'une quelconque norme validée par le GFSI. Jusqu'à maintenant, l'application norme validée par le GFSI tient compte strictement de la relation entre les clients et leurs fournisseurs dans la région. Donc, lorsque le client requiert du HACCP ou du GFSI avant d'acheter, ça, c'est une relation vraiment privée entre le fournisseur ou le processeur et son client. Au niveau du GFSI, comme vous le savez, c'est une question de benchmarking de normes. Même si votre norme, elle a exactement ce que le GFSI recommande, si vous n'avez pas fait la démarche pour faire valider cette norme par le GFSI, elle ne sera juste pas dans le processus de benchmarking, elle ne sera juste pas identifiée comme norme GFSI. Mais ça ne veut pas dire que cette norme, dans son contenu, n'est pas potable pour le marché international. Donc, si on doit parler de normes régionales, on va parler de ACASIL, et spécialement pour l'ANACARP, bien sûr, et ensuite toutes les autres normes qui sont internationales et dont vous avez parlé. Mais on est avec l'ACA. Je pense que soumettre l'ACASIL à un benchmarking du GFSI dépendra de l'Alliance et ça sera tout bénéfique pour la région. Thank you very much for the question and thank you to Madame Bethe for answering the question. We have another hand up from José. José, if you would ask your question now. Hello, José. Oui, merci, Sanata, pour la présentation. Je suis José du Bénin. Je voudrais demander, en fait, par rapport à votre présentation, pour ce qu'on garderait, c'est la normalisation ou les tentatives de normalisation. J'ai quelques difficultés à vous entendre. Hello, do you hear me? Oui, I can hear you. OK. Donc, je reprends rapidement José du Bénin. Je disais que je retiens fondamentalement en fait, de la présentation, c'est qu'après cette crise, il y a beaucoup d'entreprises
notamment dans la transformation de l'ANACAD, qui vont travailler à se normaliser et à se conformer à certains critères pour pouvoir rester compétitifs sur le marché. Et vous avez évoqué le cas aussi de ces entreprises-là qui ne travaillaient pas sur la base forcément des normes, mais qui arrivent à écouler leurs produits. Oui. Quelle est la question? So what's your question, please? José, could you please repeat your question? Alors, ce que j'ai entendu, c'est le cas des entreprises qui ne sont pas certifiées et qui réussissent quand même à écouler leur production. Ce que je dis à propos de ça, c'est que c'est une relation sur le marché ou c'est une présence sur le marché qui n'est pas durable. On peut acheter chez vous de temps en temps, mais lorsque la finalité de votre produit, c'est d'être présent sur la grande distribution, il y aura toujours quelqu'un qui va payer, entre griffes, les pots cassés. Le fait que vous ne soyez pas certifié, déjà, vous ne pouvez pas vendre directement sur la grande distribution, ça c'est clair. Vous allez forcément vendre peut-être à un intermédiaire et l'intermédiaire va prendre sur lui de corriger ce qui n'a pas été correct chez vous avant de l'envoyer chez son client à lui. Donc, imaginez, on peut bien commander chez vous lorsqu'il y a un besoin et qu'on n'a rien du tout. Mais entre vous et une autre organisation qui est certifiée et qui peut donc démontrer qu'elle est organisée pour fabriquer de façon permanente des produits qui répondent au marché de la grande distribution, que donc ce client va prendre et pouvoir transformer ou mettre sur le marché sans avoir le choix, il est clair. Tout client choisira de travailler avec celui qui a déjà anticipé sur le respect des normes du marché, plutôt que de prendre un produit qui vient d'une entreprise non certifiée et qu'on va devoir retravailler ou rendre conforme et faire accompagner de votre certificat. Voilà. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas du tout vendre sans certificat. Je dis que ce n'est pas durable. Et je dis également que vous ne pouvez pas avoir accès directement au marché. Vous allez toujours devoir passer par des intermédiaires. Donc, si vous commencez à calculer des frais que vous allez laisser ou un coût auquel vous allez vendre peut-être un peu plus bas parce que le coût sur le marché international ne changeant pas, vous allez peut-être avoir à vendre par différents intermédiaires qui, eux, seront en face du marché international. En fait, vous ne pouvez pas, dans ces circonstances, vous mettre directement face au marché international, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas durable, ce n'est pas viable. Je n'avais pas compris la suite de la question, mais j'espère avoir répondu. Si c'est pas, s'il s'avère que j'ai mal entendu la question, vous pouvez peut-être la répondre ou rectifier ce que j'ai éventuellement mal entendu. Thank you very much, Madame Berthe. I'm sure if he didn't get, if José still have a concern, he would draw attention to it. The next person whose hand is up is Lenovo. So Lenovo, if you could ask your question now. Unfortunately, we don't have the name, but we have it as Lenovo. Hello, Lenovo. Sorry, I had to call you that. Please, can you ask your question now? Okay, we'll just take the next question from Joël. Whilst Lenovo is getting ready to ask the question. Oui, okay. Je vous remercie, Madame Sanabra. So we can just have Joël ask his question while we wait for Lenovo. Thank you very much. Can you all hear me?
Hello, can you hear me? Hello? Hello? I can't hear you. Hello? They told already to lock. Blessing, I will send you my question in a written form due to the communication issue. No problem. Ce qui concerne les responsabilités de chaque acteur sur la chaîne. Vous avez très bien conclu en parlant de la confiance qui doit beaucoup plus régner entre chaque acteur. Seulement, je voudrais savoir si il existe un cadre qui peut sanctionner, c'est-à-dire qui peut aller protéger chaque acteur lorsque, entre-temps, il a bien assumé sa part, c'est-à-dire du fournisseur au consommateur. Le fournisseur et le transporteur, par exemple, il n'y a pas eu d'incident. Mais voilà que c'est une chaîne. Alors que vous parlez de confiance qui doit régner au cours de la chaîne. Mais on doit pouvoir situer les responsabilités à des moments donnés. Donc, s'il y a en fait, un creuset qui statue sur ça pour pouvoir situer tant soit peu les responsabilités, ce serait bien s'il existe, essayez de partager avec nous. Raoul de Pludor, Bénin. D'accord. Merci pour votre question. Donc, quand vous parlez de responsabilité et de d'arbitrage, peut-être, c'est peut-être si ça se situe au niveau du commerce, la relation commerciale qu'il y a entre vous et votre client, le thème sécurité sanitaire de Nare. Peut-être qu'il y a, mais en ce qui concerne purement simplement le respect de la sécurité sanitaire, la personne ou l'organe qui va être un peu jugé comme arbitre, si vous êtes certifié, ça va être tout simplement. Alpha, Omega, c'est à ce risque plus effectivement qu'ils sont en train de respecter les dispositions qui doivent être prises. S'ils respectent, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas toujours conformes et il n'y a pas de raison que leurs clients ne leur fassent pas confiance. Mais s'ils ne respectent pas, c'est à l'organisme de certification de retirer le certificat qui a été donné et d'empêcher le logo, l'utilisation du logo de certification pour accompagner ces produits-là. Donc, dès que vous voyez qu'avec un fournisseur, il n'y a plus le logo de certification ou il ne peut plus vous démontrer qu'il est certifié, donc ça veut tout simplement dire que ce client, il n'est plus digne de confiance. Donc, quand je dis que c'est une question de confiance, ce n'est pas par rapport au paiement de facture ou une commande qu'on a prise et qu'on n'a pas respectée, etc. C'est vraiment confiance dans la marque. Il faut être sûr que quand je consomme des produits de cette marque, je n'ai pas de souci à me faire. Ou alors, quand je commande chez ce fournisseur, je n'ai pas de souci à me faire. C'est en ça que je parle de confiance. Et l'arbitrage ici, si vous êtes certifié, c'est l'organe de certification qui donne et qui retire quand on a mal agi. Thank you very much, Madame Betty, for answers to the question. The next question is from Mr. Alfred. Mr. Alfred, please, are you online? Hello, Mr. Alfred. Hello, Mr. Alfred, can you hear me? Hello, Mr. Alfred.
we hear Mr. Fred speak? No. Hello, Mr. Fred. Unfortunately, we can't hear Mr. Fred. Mr. Fred, if you could type your question and then I'll read it out to Madame Bethe and she will answer. Mr. Fred, please can you hear me? Okay, while we wait to hear, to get Mr. Fred to ask his question, does anybody have any question? Does any other person have a question? Yes, I have a question. I have sent my question, but it looks like you have not received it. I hope you can hear me. I can take opportunity to ask the question directly. Should I go ahead? Listen to you. Okay, I think Joel is talking. Can we hear him? Yes. Joel, please go on with your question. If you are Francophone, kindly select the French channel. And if you are Anglophone, please select the English channel. I did select the English channel, so I'm going to ask my question. Thank you. You selected the English channel. Yes, madam. Please go ahead and talk. Interpretation will be done. Many of our industries, especially in Africa, are small to medium-sized companies. And in some countries, their contribution goes up to 60% GDP. These small businesses, in most cases, cannot afford the cost of certification. So my question to you as an African expert is, are we envisaging some sort of light certification without compromising on quality, or some kind of light process through which those small businesses who cannot afford the cost of certification can definitely be certified in one way or another so that their production can be recognized? Thank you. Thank you very much. Alors, la question qui vient d'être posée me donne l'opportunité de vous parler du programme Global Market. Oui, les toutes petites, micro, petites et moyennes entreprises peuvent prétendre à une certification reconnue par le DFSA qui est qualifiée de light. Depuis quelques années, effectivement, le DFSA s'est rendu compte que il y a un fort potentiel d'approvisionnement du marché qui vient des PME. La certification aux normes telles qu'elles avaient été élaborées, c'est un niveau high standing. On sait que les compétences peuvent manquer, les ressources financières peuvent manquer, les ressources techniques peuvent également manquer. Oui, vous pouvez avoir accès à une certification dite light qui est reconnue par le DFSI. Le comité technique dénommé Global Market, auquel je participe au sein du DFSI, s'occupe justement de traduire ces normes en langage facile pour les PME et de traduire également les exigences en exigences faciles d'implémentation pour les PME. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur un programme Global Market, vous êtes géré de telle sorte qu'on sait que vous êtes une PME. Donc, attention, tous ceux qui nous écoutent actuellement et qui sont grandes entreprises, ce programme, il est uniquement destiné aux petites et moyennes entreprises. On aura peut-être l'occasion, si le temps permet, une autre fois de revenir dans le détail dessus, comment est-ce qu'il faut s'enregistrer, quel est ce programme, quels sont les documents liés à ce programme et comment mettre en place le programme et comment être reconnu par ce programme. Il dit tout simplement que vous pouvez faire un step-by-step certification en utilisant les exigences de base
des exigences également intermédiaires et en étant reconnu à chaque étape de votre avancée. Si vous mettez par exemple en place tout ce qui est exigence de base, si vous avez choisi FSC 22000 ou IFS ou encore BRC pour ce qui concerne les entreprises dans le domaine du cajou, le BRC a un référentiel d'entrée de gamme, si je peux dire comme ça, qui s'appelle BRC Start. Donc, dès que vous avez mis en place les exigences qui sont considérées comme les exigences de base, même si vous n'êtes pas certifié full level, vous pouvez au moins prétendre à être vu sur le website de BRC en tant qu'une entreprise qui a mis en place le programme de base et qui respecte au minimum des conditions de base. De telle sorte qu'un client qui a juste besoin de travailler avec un fournisseur qui respecte un minimum d'exigences va accepter de travailler avec vous, va accepter d'acheter chez vous, même si vous n'êtes pas certifié full level. C'est encore mieux que de prendre des produits chez quelqu'un dont on ne sait pas du tout quelle est l'organisation et dont on ne sait pas du tout quelles sont les pratiques. Tout ce que ces organisations présentent, c'est un produit qui est joli, c'est un produit qui a du goût. Mais tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Le client, il veut être rassuré, le consommateur également veut être rassuré que les conditions de production sont bonnes. Donc, le niveau de base prend en compte les conditions de production. Le niveau intermédiaire prend en compte au minimum tout ce qui est HACCP et gestion autour de HACCP. Alors, ce que je vais quand même vous dire, c'est qu'en aucun cas, la sécurité sanitaire va être compromise dans ce référentiel jugé light. C'est un minimum. Après, on peut avoir des exigences plus corsées que d'autres, mais le niveau de base et le niveau intermédiaire, vous avez au moins besoin de la sécurité sanitaire du consommateur. Donc oui, vous pouvez avoir accès à une certification light qui est reconnue par le DFSI et c'est d'ailleurs la promotion que le DFSI fait actuellement de ce programme appelé Global Markets Program qui est exclusivement réservé aux petites et moyennes entreprises. Si vous avez, si on a d'autres occasions, on pourra en parler dans le détail et vous apprendre comment s'inscrire pour ces différents programmes. Thank you very much, Madame Bethe, for the answer. We have Mr. Alfred who wants to ask a question. I don't know if he's back online now. Mr. Alfred, please, are you online now? Hello, Mr. Alfred. Okay, I think he's not online, but we have Lenovo who wants to ask a question. Unfortunately, we don't have the name. Lenovo, please ask your question. Oui. Hello, can you hear me? Votre présentation. Je voudrais parler par rapport à l'installation de l'équipe de gestion des crises. Je voudrais savoir s'il y a un programme préétabli que doit suivre l'équipe, comme dans le plan HACCP, ou bien chaque structure mène ses activités compte tenu des réalités de son entreprise. C'est tout. Voilà ma question. Merci. Bien. Merci. Alors, il n'y a pas de programme. Quand vous dites programme, je suppose que vous parlez de formation. Il n'y a pas de déroulement de formation typique. Il y a juste à vous dire, pour notre anticipation, si j'ai une situation de crise, comment je vais réagir? Donc, dans la présentation, j'ai cité ce qui peut y arriver comme situation de crise. Ça peut être une grève, ça peut être une épidémie, ça peut être une pandémie, ça peut être un incendie, des problèmes d'ordre environnemental, etc. Alors, si ça nous arrive, comment vous pensez qu'on doit réagir? Bien entendu, vous allez réagir dans le respect des dispositions peut-être normatives dans votre pays et également en vous mettant en tête qu'il est indispensable de ne pas compromettre la sécurité sanitaire. C'est d'ailleurs pour ça que la gestion par anticipation est recommandée.
Alors, je dis qu'il n'y a pas besoin de formation franche là-dessus, mais lorsque vous êtes en situation de crise, peut-être de fraude sur vos produits, ou de fraude avec des matières premières reçues, ou de sabotage, oui, il y a certainement des normes ou des plans de formation qui vous permettent d'identifier les possibilités de fraude et de mettre en place les mesures de prévention pour mitiger ces fraudes, ou alors d'identifier les possibilités d'attaque, donc de défense sur vos produits et de mitiger. Voilà, ça, c'est juste des formations pour vous aider à savoir comment on lutte contre la fraude, comment on lutte contre les attaques malveillantes sur nos produits. Mais la gestion des crises, c'est vraiment que vous vous asseyez ensemble et vous réfléchissez à comment on réagit pour maintenir la continuité de notre activité en ne compromettant pas la sécurité sanitaire et notre image de marque. Au-delà de ça, vous avez des formations qui font business continuity, crisis management. Oui, c'est des informations d'ordre général que vous pouvez avoir. Donc, si vous faites une quelconque formation en business continuity ou crisis management, ces informations vont vous aider à établir tout ce qu'il y a comme gestion de crise sanitaire au niveau de votre entreprise. Voilà ce que je veux répondre à cette question. Thank you very much. The next question is from Joel. Joel, please, if you can, ask your question now. Okay, thank you very much. Still, again, on the small businesses who cannot afford the certification process. Most of them are still managing to sell their products on informal channel. Like one of the participants just asked the question earlier. We know that many of them are still managing to sell their production through an informal channel. And we know the kind of impact that this CPIT can have on the quality for the product, especially for origin countries. If those small businesses who are not certified are managing to sell the product on informal market without any regulation, they can significantly impact the quality at origin or the image of the quality of the origin country. And do you know if there are any African countries, maybe in the case of Ivory Coast that you belong to, if they are eventually conscious of this risk, and what are the steps that they are taking to mitigate the impact of informal sales on the markets? As far as the quality is concerned, origin countries. Thank you. Merci, Monsieur Joël, pour votre question. Effectivement, on va retrouver sur le marché informel tous ces produits qui ne peuvent pas avoir accès au marché officiel. Encore une fois, ça va être un risque au niveau de la population elle-même, qui finalement, de plus en plus, même si elle est souvent dans un état de pauvreté, n'est pas prête à utiliser le peu d'argent qu'elle a pour acheter des choses qu'elles savent pas conformes. Même si elles ne connaissent pas le danger qu'elles courent, lorsqu'on a acheté une fois sur le marché, même informel, et qu'on est tombé sur des produits pourris, excusez-moi du terme, la deuxième fois, on n'y va pas. Donc, c'est forcément un marché qui n'est pas durable et c'est forcément un marché qui met en danger la santé des consommateurs. Normalement, pour ce qui concerne le marché local, les instances nationales, la réglementation nationale devrait pouvoir protéger ces différents consommateurs et avoir un œil sur ce qui est mis sur le marché, même si c'est le secteur informel. À mon avis, tous les pays ont une réglementation sur la sécurité sanitaire. Elle peut dater de 1960 ou bien avant 1960, mais il y a toujours quelque chose. Le seul problème, c'est le suivi. C'est la mise en œuvre de ces dispositions, le suivi et les éventuelles sanctions. Malheureusement, à ce jour, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont en train d'être clairement faite sur le plan régional, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la création de l'agence sanitaire pour la sécurité des denrées alimentaires. Est-ce qu'elle a commencé à fonctionner ou pas? Ça, c'est une question
qui reste posée. Ça, c'est du côté étatique. Bon, ça va rester ce que c'est. Il faut pousser pour que ça avance. À côté de cela, au niveau du DFSI, on est conscient aussi de la situation de mise sur le marché de produits de ce genre. Donc, ce que le DFSI essaie de faire, c'est qu'en tant qu'organisation qui valide ou qui approuve des normes privées, elle ne peut rien imposer au gouvernement. Mais heureusement, fort heureusement, on a le Codex Alimentarius, qui est quand même une agence ou un groupe de travail qui émane de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé, qui peut demander des choses et imposer de la réglementation au niveau des différents pays. Donc, depuis l'année dernière, on a eu la réunion annuelle du DFSI à Seattle en février dernier. Il est question d'aller de pair avec le Codex Alimentarius pour que on puisse avoir un impact beaucoup plus avéré sur les marchés locaux et sur la réglementation des pays et sur le respect de ces différents pays des normes sanitaires. Donc voilà ce que je peux dire. Ça va peut-être prendre du temps, mais on y travaille. Et localement, j'espère pouvoir avoir avec moi certaines personnes ou certaines organisations volontaires pour qu'on puisse pousser et avancer sur ces questions liées au marché informel. Mais c'est quand même une grosse frange de la population qui s'approvisionne sur ce marché. Donc, c'est quand même beaucoup d'efforts qui doivent être faits pour qu'on puisse en sortir. Voilà ce que j'avais à répondre par rapport à cette question. Si vous avez des commentaires ou des ajouts. Joël has a follow-up question. Thank you, Madame Berthe. Joël has a follow-up question to this particular question that you've answered to. As a follow-up to my questions, and I'm very much keen as an African expert in whatever step we are taking with the little bit that we have in Africa to set up acceptable environment for the protection of the consumers. So, I want to still see you as African experts. Don't you think that there's an opportunity there for your community of experts to set up some kind of platform whereby people can go and complain regarding those small businesses? I saw you have shown a platform where the consumer in Europe logging the claim regarding the non-conformity of the product coming from. But again, as African experts, maybe there is an opportunity for you to create some kind of platform where a small consumer in Africa complain about the income. I know it's going to cost the money, very different kind of platform. But what is your view on that? Is it in affecting your ambition to thank you. Thank you, Mr. Joel. Yes, you are right. And I think that it's clearly a call for action. I will think about it and we'll go ahead with such activities so that we will manage to have a better food safety on our market. Thank you. We'll come back to you and talk about it very seriously. Thank you very much. And the next question is from Antoine. Antoine, please, if you're ready, kindly ask your question. OK. Bonjour tout le monde et merci à Madame Berthe pour la présentation. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire en tant que client quand une usine certifiée a de manière régulière des problèmes d'implémentation des procédures. Une entreprise certifiée qui a de façon permanente
des problèmes d'implémentation de procédures. Vous êtes le client de cette entreprise. Les défaillances en matière d'implémentation de procédures se situent à quel niveau? Est-ce que c'est des difficultés à mener, à prendre en compte vos réclamations? Est-ce qu'ils vous donnent de façon régulière des produits non conformes? Quel est le souci? Oui, en fait, quand je parle d'implémentation des procédures, je voudrais signifier par là, par exemple, des procédures et de sécurité sanitaire des aliments qui se sont établies, mais qui ne sont souvent pas respectées. Quand on se trouve dans cette situation, dans ce cas de figure, quelle doit être la réaction du client? C'est ce que je veux savoir. OK. Donc, déjà, une entreprise certifiée, ça ne veut pas forcément dire que vous avez 100% de produits conformes qui sortent de votre production. Ça ne veut pas dire que de façon malencontreuse, vous ne pouvez pas avoir un produit non conforme sur le marché. Ça veut dire que vous avez pris le maximum de dispositions pour être conforme et que si par inadvertance, donc quand je dis inadvertance, c'est quand même pas à chaque lot expédié, si par inadvertance vous avez un problème de santé lié à un de vos produits, vous êtes capable de faire un retrait du produit ou de faire un retrait du marché ou de faire un rappel sur ce produit. Ça, c'est ce que ça induit quand vous êtes certifié. Mais bien entendu, l'organisation doit pouvoir supporter une production continue conforme à quel pourcent près, peut-être pas 100% en permanence. Si vous avez une entreprise qui est toujours défaillante alors qu'elle est certifiée, je ne sais pas quelle certification, mais si c'est une certification d'IFSA, je veux parler de BRC, FSSC 22000, IFS, SQF, Global Gap et tout ce qui est reconnu par le DFSI, ça me paraît un peu compliqué d'en arriver là. Je ne veux pas mettre en cause qui que ce soit, mais je dis, si c'est de temps en temps, c'est normal. Une entreprise certifiée ne veut pas dire qu'à 100%, on ne fait plus d'erreurs. On en fait, mais on sait rattraper. Si c'est en permanence, alors signalez à l'organisme de certification. Si vous savez qui les a certifiés, signalez à l'organisme de certification. Ils peuvent mener des audits inopinés. Et d'ailleurs, les nouvelles règles de certification pour les établies par le DFSI depuis à peu près 2-3 ans, les entreprises doivent subir des audits inopinés parce qu'il y a peut-être quand même une faiblesse, peut-être dans le processus de certification. Pas mal d'entreprises, sachant qu'on vient pour vérifier des documents et des pratiques, ils vont mettre à jour leurs documents au dernier moment et faire comme si tout était conforme alors qu'ils ont beaucoup de problèmes qu'ils ont cachés dans les tiroirs et derrière les placards. Tous les référentiels reconnus maintenant par le DFSI ont obligation de faire au moins un audit inopiné pendant le cycle de certification. Donc, ça sera peut-être l'occasion de découvrir ce qui se cache dans les tiroirs et derrière les placards et décider ou non si vous continuez avec ces entreprises ou pas. Mais si vous avez vraiment de gros problèmes, signalez à l'organisme qui les a certifiés et la solution sera peut-être trouvée. Merci beaucoup. Does anybody have any other question, concern, or need for clarification? We have Irene who has a question to ask. Irene, can you please ask your question now? Hello, Irene. Can you hear me? Je vous reçois. Je vous reçois très bien. Nous attendons votre question. Voilà.
Je voulais savoir si ACACIL a des programmes de, d'accompagnement à la certification pour les entreprises, comme le programme Global Market. Alors, je ne sais, pourrais pas répondre à cette question puisqu'on a les, le forum organisé par ACACIL, Blessing. Sorry, Blessing, can someone of ACA answer to this question? It seems that it's regarding ACACIL certification program. Hello? Hello? Blessing, can you hear me? I can hear you, but very faint. Yes, Madame Irene Comino is asking a question related to the ACACIL certification program. If there is anybody of ACA who can answer to this question. So if I got the question correct, the question is there any other program that accompanies ACA still? Is that the question, Irene? Can we please confirm, is that the question you are asking? C'est la question, c'est exact. Hello. Hello, my name is Leslie, Managing Director for African Cashew Alliance. I would like to answer this. What we have, as Sanata has said, is the ACACIL, and the ACACIL is with a number of standards, or 14 standards, which are mainly related to the GFSI, and our auditors do these audits in factories, which are associated with us, and who have also applied for certification under the ACACIL. When the audits are done, either there is a full certification, meaning that they have fully satisfied all the 14 standards, or there are temporary certification that is issued, which allows us to come back later to support these factories gradually to comply with the 14 standards. Again, the ACACIL is buyer certified. So we have all these buyers who are buying kennel, particularly all over the world, Europe, US, and also in Asia. And they certify the ACACIL and give us feedback. So based on their feedback also, we go back to the factories to be able to do audits again and to support the factory to address the issues that are identified. Let me also say that you can always contact ACA for us to support you to work towards acquiring the ACACIL. Beyond the ACACIL, we also support processes to be able then to move on to issues such as the BRC and the other certifications that are out there. So we start them with the ACACIL, and gradually we move to work towards these higher forms of certification for them, and for them now to be able to move on to this high certification. In the case of farmers, getting grassroots organizations, farmer associations, and the rest to improve on quality. Here we partner with a number of organizations to provide training on good agricultural practices, harvest, post-harvest practices,
which then allows farmers to know how to maintain their farms, how to harvest properly, not to pluck the tree, the nut from the tree, but again to just let the fruit fall and then extract the nut from it, how to do proper drying to ensure that the right level of moisture is attained before the sale is done. So these are the things that normally we are doing, and you can always contact us for further clarification. So I hand you back to the facilitator. Blessing, please take over. Thank you very much, Ernest, for the clarification. Mr. Afrin, Ernest just answered your question with regards to what ACA can do to ensure that farmers are producing better quality nuts. I hope your question has been answered. If we are already coming to the end of the forum, I think we can't take any more questions at the moment. I would like to use this opportunity to remind us of our forum that is coming again next week, Wednesday, with Jim Fitzpatrick at 9 o'clock. The presentation and recordings from this forum will be shared, so we all have it. Don't worry, you all have the presentation and recordings from this forum. We'll leave the platform open for 10 minutes. If you want to talk to a particular person, if you want to do any networking or business, the platform will be open so you can interact with the person, but just for 10 minutes. On behalf of the African Cashew Alliance, I'd like to thank each and every one of you for participating in our first food safety forum. Thank you very much to Madam Sanata Bete for taking her time to share with us all the necessary precautions for us to take through in the face of the pandemic. So the platform is open. Do your business, network for the next 10 minutes, and after that, we'll officially end the session. Thank you very much again, Madam Sanata Bete. Thank you, everyone, for joining. Thank you. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Merci à tout le monde. Au revoir. So just so you have information, we are going to be posting artworks on the forum for next week. So this is something we've been doing every 2 weeks with Jim Fitzpatrick. It's called Global Market Encounter. Informations are going to be posted now in the chat, so you can take note of it and join us next week. There it is on the screen. Join us next week, Global Market Encounter with Jim Fitzpatrick.